domestique conviennent fort bien à la corporation, en somme très fermée et peu connue, les scaphandriers. Allons rendre visite à ces hommes qui ont choisi pour métier d'explorer le fond des mers. Un examen médical extrêmement sévère sélectionne les volontaires qui se présentent pour suivre les cours de l'école des scaphandriers de Toulon. Ne sont gardés que ceux dont la mécanique humaine accuse un fonctionnement parfait. Sur un quai de l'arsenal de Toulon, se trouve une cuve de 4 mètres de profondeur. C'est dans cette sorte d'aquarium que, sous la direction d'un officier des équipages, secondé par un premier maître et des seconds maîtres spécialisés, les élèves scaphandriers effectuent leur première descente. Ils se familiarisent ainsi avec l'élément qu'ils vont affronter et apprennent à se mouvoir revêtus du scaphandre. L'épreuve de la respiration est importante. Un camarade rejoint le néophyte et voici l'embryon d'une équipe de travail qui se forme. Malgré le poids, le scaphandrier flotte facilement dans la cuve si, en obstruant la soupape d'échappement, il permet à l'air de gonfler son habit comme une simple chambre à air. À la remontée, indications et ordres sont donnés en parlant près de la vitre du casque. Le plongeur a revêtu tricot, jambière, bonnet de laine. Il faut 3 ou 4 hommes pour achever de l'habiller. Hop, l'homme est dans le sac. Pour passer l'extrémité des manches très serrées au poignet, il faut mouiller le caoutchouc. Les bracelets, également en caoutchouc, assurent l'étanchéité parfaite de cette partie de l'habit. Le filin à l'aide duquel le scaphandrier communiquera avec le ponton et demandera éventuellement qu'on le remonte est fixé à la ceinture. On ajuste les lourdes bottines à semelle de plomb. La pèlerine de cuivre sur laquelle est rabattue la collerette avant la fixation du casque